La prestation du président Bassirou Diomaye Faye en ce 2 avril 2024 fait déjà parler à Dakar, au palais présidentiel. Tout le monde attend. Tout le monde attend les paroles du président nouvellement élu du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye. Le gouvernement au Sénégal se complique. Bassirou Diomaye Faye choisit déjà son premier collaborateur, Ekaato Ousmane Sonko. Les nouvelles ne sont pas bonnes à Dakar, au palais présidentiel. Bassirou Diomaye Faye en parle. Pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. Let's go! Suite à son élection en tant que cinquième président du Sénégal le 24 mars 2024, Bassirou Diomaye Faye a rapidement entamé la formation de son équipement gouvernemental au Sénégal, bien que la liste officielle du gouvernement ne soit pas encore rendue publique. Le président élu a déjà commencé à sélectionner ainsi ses proches collaborateurs qui occuperont ainsi les postes clés dans son cabinet. Un premier nom émerge déjà sur les réseaux sociaux. Et la personnalité politique concernée est déjà activement impliquée au palais présidentiel à Dakar dans ses fonctions. Bassirou Diomaye Faye présente déjà son gouvernement. Papa Mada Ndou, longtemps resté dans l'ombre d'Ousmane Sonko, le président du PASTEF et de Bassirou Diomaye Faye, il se prépare à intégrer l'équipe du nouveau président en tant que le chef du protocole. Son implication lors des premières sorties officielles du président Bassirou Diomaye Faye a été remarquée. Il devrait ainsi être confirmé à ce poste. Selon les sources bien informées au Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, en cet honneur de prestation de serment pour le 2 avril 2024, fait déjà parler le Sénégal. Il ne laisse personne indifférent sur le territoire national. Si sa nomination est confirmée, Papa Mada Ndoum aura ainsi pour mission d'organiser les grandes cérémonies officielles, les déplacements présidentiels et autres aspects liés au protocole présidentiel. Son expérience en tant que agent diplomatique, notamment à l'ambassade du Sénégal à Rabat au Maroc, répond aux exigences du poste de chef du protocole. Papa Mada Ndou est également actif sur le plan politique en tant que secrétaire national chargé de la diaspora au sein du bureau politique du Parti Patriote Africain du Sénégal pour le travail. L'éthique et la fraternité en abrégé le PASTEF. Son rappel anticipé du service diplomatique en juin 2023 sous la ministre des Affaires étrangères Assiata Tall Sall a été interprété comme une sanction en raison de son militantisme au sein du PASTEF. Selon ses propos et ses propres déclarations, ce rappel anticipé, le deuxième de tous les temps qu'il a subi lors de leur deuxième congrès extraordinaire et de l'affectation, est perçu comme un acte de persécution contre les proches du président Ousmane Sonko et les fonctionnaires patriotes. En général, Papa Mada Ndoum voit ces actes comme des tentatives malveillantes visant à affaiblir le PASTEF dans la diaspora, ce qui renforce ainsi sa conviction et son engagement politique.